Salut YouTube, salut YouTube, on se retrouve, on va prendre des parts là sur un petit incendie. Donc on est sur le serveur de Monsieur Rasuper, map d'Australie, le serveur c'est Ostra for Life. Et là on a été appelé pour un avion qui a eu un accident lors de l'atterrissage. Voilà, donc on va attendre. Il y a déjà un VSAV de parti. Il y a un FPT qui va partir. Et puis voilà, nous on va suivre après avec le VBEC à la suite. Mais on va y aller, on n'a pas les clés. Si, un peu, c'est bon. On n'a pas besoin des clés. Allez, on les laisse partir. Ok. Du coup, tu restes là, John? Ouais, je vais faire des petits trucs. C'est bien, Ok. faut qu'on te dise. Allez, c'est parti. J'ai plus. Attends. Tenue VBEC. Ouais, ça marche. Allez. Code 10 de VBEC. Code 10 de VBEC. Code 10 de VBEC. Bah alors. Est-ce que tu entends le VBEC? Bon, VBEC prend départ, destination aéroport de Sydney. Terminé. Salut Bienvenue. Lucas. Bienvenue sur mon live, mon petit Lucas. Pour information, Cody, c'est des petits problèmes de radio, donc. Ok, c'est reçu. VSAV 1 de VBEC. VBEC devait savoir transmettre. Est-ce que tu aurais des précisions sur la zone géographique où il y a eu l'accident? Alors du coup, on se situe donc sur la piste de Sydney, donc plus côté terre, exactement à 356 120. Ok, c'est bien pris pour moi. Allez, on est parti. Qui c'est qui me suit? Ils ont fait les... Code 10 de FPT01. Transmettez FPT01. Arrivé sur zone, véhicule en vue. Terminé. Bien pris. Alors là, pour ceux qui ont Apex, vous allez vous marrer. Je n'ai pas Apex et du coup... Je vois pas les bâtiments.
Ok les gars, vous me faites un rapide topo sur ce qui se passe alors? Ouais, du coup, suivant on a là, donc l'avion qui est toujours allumé, effectivement proche du moteur, piste fermée par l'aéroport. Attendez, on va avancer un peu. Viens avec moi les gars. Y'a quelqu'un dans l'avion ou pas? Code 10 de FPT01. Transmettez FPT. Départ de feu au niveau de l'aile, faudrait qu'on extrait la victime au plus vite pour pas qu'elle brûle. Bien pris, ne vous mettez pas en danger, hein, ils sont plus importants. Bien pris. Allez, on va aller voir. Les gars, laissez bien le moteur allumé, sinon vous avez vos pompes ne fonctionnent pas. Hein. D'accord, bien. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bah c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave. Là, il y a de l'imagination, les gars. Liberté au maximum. Exactement. Par contre, un départ de feu interne, ce serait le moteur du coup. Ouais, exactement. Parce que je vois pas de flamme. Ok, moi je vais attendre d'intervenir. En fait, tu étais en bébé. Ouais, je suis en VB, je suis là, je vais couper le moteur en fait. Ok. FPT01 de VB. Transmettez VB. Dès que j'ai la possibilité d'intervenir, hein, pourquoi procéder à l'extinction du moteur, vous me prévenez. Hein. Affirmatif, vous inquiétez pas. Je pense pas, c'est plus simple de faire une radio donc, pour les interventions, sauf que Code 10 dispatch les interventions. Code 10 et FPT01. Transmettez FPT01. Parle pas l'heure normale, Patrick, je t'entends mal sinon. Vous pouvez transmettre à VBEC qui peut venir éteindre. Ok, ça marche. Attends, j'arrive. Bien pris, VBEC de Code 10. Ouais, transmettez. Voilà, donc vous avez le feu vert pour intervenir au niveau de l'avion. Ok, c'est reçu. Ah putain, merde. VBEC de Codis. Transmettez VBEC. Ah, excusez-moi. Donc négatif, je ne peux pas procéder tout seul à l'extinction des moteurs. Hein. Malheureusement, il me faut un appareil qui s'appelle Apex. Et je ne peux pas malheureusement intervenir. Je vais voir avec le FPT. Hein. Ouais, c'est bien pris. Vas-y, si t'as l'outil, ou pas? Joe, c'est que tu l'as l'outil. On est procédé. C'est chaud. Vas-y. C'est bon. Nickel. Ok, impeccable. Bon, j'arrive avec le camion pour sécuriser. Hein. D'accord. Codis de VBEC. Transmettez VBEC. Donc, moteur du véhicule aérien mis hors service. Hein. Bien pris. Donc, VSAV1, vous pouvez intervenir si plus aucune menace n'est encore existante.
Petite inter bien sympathique. D'accord, donc les militaires ils vont être. Ah oui, c'est à vous. Vous FPT les gars. Attendez que Vébec. C'est bon les gars, hein, allez-y. Hein. Ah bah c'est bon, vous voulez. Je mets de l'absorbant au sol. Bonjour monsieur. Hop, allez, on noie avec l'absorbant parce que s'il y a de l'hydrocarbure, les gars. Comment monsieur, vous savez ce qui s'est passé? À mon avis, j'ai dû taper trop vite. Bon, j'avais presque pris l'essence, j'ai dû atterrir d'urgence. Puis j'avais dû avoir une fuite dans le réservoir et en atterrissant, ben, j'ai tapé trop vite. Nickel, voilà, tout est bien qui finit bien. Bonjour monsieur. Oh yeah. Ok, ça marche. C'est où vos douleurs actuellement monsieur? Jambes. Salut Kikist. Kikist. Voilà. Comment vas-tu? Un peu compliqué ton nom à prononcer, mais Okay. Y a pas de soucis, y a pas de jaloux. Douleur entre 1 et 10, sachant que 1 c'est une douleur classique et 10 c'est. Merci pour ton follow. Est-ce que vous êtes asthmatique, diabétique, okay. Monsieur? Y'a pas de soucis, nickel. Pour ça. Je pose une question. Nickel, on va peut-être faire une petite photo. De commandement comme ça on est tout seul. Là, il se cache derrière le véhicule pour pas être sur la photo, c'est super. Ok, nickel. Ok, c'est bon. Moi, j'ai mis de l'absorbant partout. Hein. Parfait, moi je regarde qu'il n'y a rien qui reprenne, mais bon, je pense que l'avion est. Vous avez plus besoin de nous, par ouais, pas de soucis. Ah bah, ouais. Attendez quand même, hein, les gars. Ouais, on va aller dans le camion. Moi je m'occupe de dégager le véhicule, rester lance en main s'il y a besoin. Ouais, on va aller préparer dans le camion ce qu'on a besoin, et puis voir la jauge, et puis on y va. Ça marche. Ouais, ok, restez à dispo. Affirmatif. Jambe, ce qui va les serrer. Mais tout en restant mou, d'accord. Au début, ça va pas être gonflé, puis je vais la gonfler avec une pompe, d'accord. D'accord. Vous appelez comment, monsieur? Derek Westbrook. Voilà, je vous la place. On referme et on va gonfler ça. Bon, bah, du coup, on va préparer les lances. Non, on va juste les mettre par terre. Vous avez des antécédents médicaux, monsieur? Ah non, il y a très longtemps, j'avais survécu à un crash d'hélicoptère. T'as eu Kiki, tiens, je vais t'appeler Kiki, ça va aller mieux. Hein. J'avais été soigné par le. Eh ben, qui. Ça va, Codis? Ça va. Il fait froid dehors, du coup. Tu restes à l'intérieur. Les gars, peut-être qu'ils vont avoir besoin de nous pour faire la levée du la victime, hein, pour les aider à mettre dans le VSAV, je pense que... Ouais, on est là. À mon avis... Vous avez mal, monsieur, quand je vous touche au niveau du cou, c'est bon. Non, ça va, ça. Les gens ont compris. Je crois qu'on va pouvoir le basculer du coup sur le brancard. Le brancard, monsieur, de votre côté droit. Ok, on va vous aider. Vous êtes prêts, vous nous dites? Je suis prêt. On va vous aider, les gars, à monter. Affirmatif. Et sur vous, les gars. Par contre, je prends ce côté-là. Sur le brancard, les gars. Ouais, les gars, sur le brancard. Ah, d'accord, on pensait que vous l'aviez déjà monté, les gars. Justement, pas encore. Ah, il est pas sur le brancard? Je suis sûr, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, d'accord. Le brancard est là. Tu prends sur le côté droit, tu prends sur le côté gauche. Ok, allez, à la une.
À deux. Soulevé. Ok. Nickel. On repose. Ok, vous êtes prêts. Toi même si t'es pompier, tu connais, tu sais pourquoi je fais ça. Monte-toi pour soulever. Allez. À deux. Top. Ok. Allez, alors. On va vous mettre dans le VSA, bien sûr. Oh putain, c'est quoi ça? Bravo, bravo. Allez, on pousse. Un collègue, il se sent mal. Ouais, ok, c'est bon. Bonjour, ah, monsieur. Igor, t'as eu une petite fatigue. Ah, ouais, j'ai cru que... Bonjour. Bonjour, je voudrais savoir, la victime qui est ici, c'est bien monsieur Derek. Attendez, demandez à mes collègues qui sont dans le camion, là. Allez-y. Oui, ça, c'est mon collègue. C'est bien, c'est Derek Westbrook, c'est ça. Je suis son ami, je suis venu voir. Apparemment, il a eu un accident. Je vais mettre un max d'oxygène pour respirer tranquille. Ouais, il a eu un accident, monsieur. Je vous laisse tranquille. Ouais, juste, je pense qu'il va être transféré au centre hospitalier de Sydney, hein. D'accord, je pourrais vous suivre en voiture. Ouais, par contre, faites gaffe, vous n'êtes pas un véhicule prioritaire. Oui, oui, je comprends. Hein, d'accord, prenez pas de risques, hein. Non, je respecte le la ouais, on va mettre le véhicule en fourrière, enfin en fourrière, on va appeler l'assurance. SAV1, donc victime prise en charge dans le VSAV, donc le transport SAV Sydney, c'est bon pour vous? Ouais, c'est bien pris, normalement il reste de la place, donc c'est tout bon pour moi. Ok, allez. Bonjour l'assurance. Bonjour l'assurance. Bien son véhicule. Yes. Attends, j'appelle l'assurance, je vois avec eux. Ça devrait le faire. Bon, il est un peu troué, hein. Il est un peu. Ouais. Bah, on voit qu'il a pris cher, hein, quand même. Hop là, disparition. Ok, ça marche. Ouais, bah, c'est tout bon pour nous alors. Ouais, ça roule. Codis de Vébec. Transmettez Vébec. Véhicule aérien pris en charge par l'assurance. Retour caserne disponible à radio pour Vébec terminé. C'est bien pris Vébec, vous rendez sur intervention à l'est du garage Subaru à l'embranchement pour un AVP, pas plus d'informations. Très bien, c'est reçu. FPT 01 pour Codis. Transmettez FPT 01. Donc on fait un retour CS, intervention terminée d'autre part. Allez, on est parti, AVP. On prend où? On peut prendre là, je crois. Ah non, ouais. Oh, si, allez. On va prendre là, ça va aller mieux. Putain, comment il freine fort le Vébec. Allez. Accélération, voilà. ça rame hein. Comme mon ordi, j'ai mal. Bon, c'est terminé pour cette intervention YouTube, on va finir quand même l'épisode. Retrouvez toutes les infos pour me suivre sur Twitch, sur Twitter, Facebook. Voilà, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur le serveur. Donc le serveur c'est Ostra4Life. Le forum c'est monsieurasuper.com. Pour information, pour l'instant, c'est pas grave.
pour information pour l'instant, comme vous le savez, forcément j'ai pas de kit de réparation, c'est super. On va migrer vers une nouvelle destination. Donc voilà. Donc pour l'instant les recrutements sont off. Donc pour nous rejoindre, monsieurasuper.com. Attendez un peu pour les recrutements des pompiers, tenez-vous au courant directement sur le forum. Voilà, YouTube, à plus, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter si besoin, à mettre un pouce bleu pour ce magnifique accident que je viens de faire et sans repair kit, bien sûr, c'est super. Voilà, nous on se retrouve la prochaine fois. Salut YouTube, ciao, Twitch, on continue ensemble.